Le jour se lève, vous êtes, après ces nuits de tempête, vous êtes sur à peu près votre quatrième jour de voyage en direction de l'île de la Tortue. Le capitaine rassemble tout le monde sur le pont. Bon, juste après avoir fait une cérémonie, vous avez fait une cérémonie assez rapide pour les disparus en mer. Il a prononcé vaguement ce qui semblait être une prière pseudo-catholique pour certains des marins qui baissent la tête. Lys, peut-être que toi-même prononces quelques mots. Ces gens qui ont rejoint Agoué. Le monde d'Agoué, qu'il repose en paix. Bon, la passe revient. Bon, on va continuer quand même. On va pas baisser les bras de cette manière. On a un voyage à finir. Et comme on dit, quand la malchance. On a subi la malchance, je suis sûr que la chance va tourner et elle va tourner à notre avantage. Vous êtes en milieu de matinée, il est à peu près 10h du matin, même presque fin de matinée. Il s'adresse à toi, Ruby, la passe. Bon, Ruby, tu nous as mentionné que tu avais de bons yeux. Oui, tout à fait. La mer est plus calme. Monte un peu là-haut. Je suis obligé de monter. Ouais. Essaye de te sécuriser. Ok. Bon, un homme m'a dit une fois, quand on tombe de cheval, on remonte. Quand on tombe du mât, on remonte. Ça peut être que bénéfique. T'inquiète pas. Et puis là, la mer est plus calme. Accroche-toi bien, il n'y a pas de raison que tu retombes. D'accord. Tiens, le borgne. Kaolo. Ouais. Capitaine. Tu m'as dit que tu savais naviguer. Ouais. Ce que tu m'as mentionné. Bon, là, je suis un peu. Je vais être un peu mes bras. Notre meilleur navigateur, le dernier pilote, est passé par-dessus bord. Alors, il reste toi ou moi, et je t'avoue que là, en ce moment, je suis pas en meilleur de ma forme. Alors, tu vas tenir la barre. Puis tu vas être le second navigateur pour le moment. Je dois faire un test pour monter. Non, pas pour monter. Y a pas de soucis. Cool. Non, pour monter simplement, vous ne faites pas de test. Tu fais des tests pour monter si tu essaies de faire le cabriole ou si tu es en pleine tempête. Et là, vu que ça s'est calmé. Ok, je monte et je me pose dans le dipi. Ouais, bon, et je donne me plusieurs derrière, ordres hein, à plusieurs personnes de cette manière. On remet les postes manquants en fait au service. Mais t'appelles même toi aussi Bonbonne. Ah Bonbonne. Tu vas, on n'a pas de maître canonnier, comme je t'avais dit. C'est au moment de besoin qu'on a des gens aux pièces, mais ça s'avère que avoir un canon qui me passe sur le pied signifie que je pense qu'on s'est pas assez occupé d'amarrer ces petites choses au bon moment. Donc si tu peux résoudre le problème, mettre les choses en ordre. Ça sera une bonne chose. Ouais, je vais faire ça, tiens. Je vais aller m'assurer du fixage des canons. Puis j'en profiter pour faire un inventaire et un état des pièces aussi. Avec ce qui s'est passé cette nuit, on a peut-être perdu des trucs. Ouais. On veut voir inventaire, il n'y a pas de souci. Les canons sont toujours en état.
mais non pas. Bien qu'il y en a un qui a bougé. Ouais. On va pas passer par-dessus bord. Et pas passer par-dessus bord en fait. Il était quand même amarré, mais peut-être d'une manière un peu trop lâche. Ce qui a fait qu'il s'est déplacé. Mais par chance d'ailleurs, il n'a pas traversé tout le pont à toute allure parce que. Un canon de ce poids-là, ça aurait sans doute fait des dégâts. C'est-à-dire casser un peu plus qu'un pied. Et vous continuez à naviguer. La seule chose qui se passe, Ruby, alors que toi, tu es en haut du bas, un peu, en train d'observer les lieux. Une chose te saute aux yeux. Une voile est en approche. Tu vois un navire qui semble venir dans votre direction. Une porte, le pavillon espagnol. Je vous rappelle que vous-même, vous n'avez pas vous n'avez pas, à l'heure actuelle, pas de pavillon. Du coup, je crie au capitaine. Capitaine, il y a un navire espagnol droit devant. Il nous fonce dessus. Très bien, regarde plus près. Quel est son état? Il a peut-être subi la tempête. Qu'est-ce que c'est comme bateau? Et. C'est quoi comme bateau? Là, pour la suite, tu vas me faire. C'est un bateau. Classifié bateau. Voilà, avec une voile et des mâts. Un corps plus perception plus artificiel. Tu te rends compte qu'il est en bois. J'ai des difficultés ? Non, tu n'as pas de difficultés. Tu n'as pas de bonus, mais tu n'as pas de malus. Et tu peux rajouter observation, que tu n'as pas. Super. Ah bah, moi, j'y peux rien si tu l'as pas. Pas moi. Réussite, hein. Très bien. Tu vois que c'est un sloop. Semble-t-il. Bon, assez proche du navire que vous avez. C'est un. Ça ressemble un peu à votre navire. Et. Tu vois qu'il a dû subir des dégâts. Le navire a dû subir des dégâts puisque. Tu vois quelques trous dans sa rampe sur le pont. Tu vois que d'où tu es, c'est dur, hein, c'est très très éloigné. Donc tu remarques quelques dans sa silhouette, quelques zones anormales qui te font penser qu'il a subi quelques dégâts sans doute. Tu imagines vis-à-vis de la tempête, hein, puisque vous êtes dans le même secteur. C'est fini il y a quelques heures finalement, il n'y a pas si longtemps que ça, hein. Ça s'est fini il y a à peu près 5 heures, hein. Donc voilà. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il fait voile dans votre direction, et c'est bizarre, il te dit quelque chose ce navire. Toi, je... Ah ouais. Il dit quelque chose, c'est-à-dire? Ben, dans les médias, il est petit et loin, hein, donc ça va être dur. Mais quelque chose de bien ou de mauvais? Bah, justement, on va voir si c'est quelque chose de bien ou de mauvais. On va voir si tu t'en souviens, puisque tu vas me faire un esprit plus perception. Sans bonus, sans malus. Tu mets quoi comme si artificiel? Ouais, artificiel. Réussite. Oui. En fait, ce navire, il a une forme. Enfin, c'est pas sa forme, c'est une silhouette.
c'est un sloop pourtant. Et quelque chose qui te titille, malgré qu'il est loin. Plus près, il n'y aurait pas eu de doute. Hein. T'aurais tout de suite sans doute eu la réponse. Et là, ce navire portant le pavillon espagnol, bizarrement, t'es persuadé que toi, tu l'as déjà vu à l'île de la Tortue, qui s'appelle la Petite Nantaise. Ah, d'accord. Ok. Et je connais les gens qui sont sur ce bateau, c'est ça ? La Petite Nantaise, je les connais pas en bien. Ah, d'accord. Okay. C'est des gros... La Petite Nantaise, tu connais son capitaine de nom, et c'est un pirate. Ah oui, c'est bon, je me rappelle de lui. C'est un pirate qui a plutôt mauvaise réputation. Effectivement, mais je me rappelle bien. Bah, du coup, je crie au capitaine. Fait, capitaine, c'est un sloop. Bon, il est un peu amoché, et je connais l'équipage, et ils sont pas jojo. Ah, ils sont pas gentils. C'est quel navire ? C'est la Petite Brestoise. Le Nantais, pardon. Elle est de Brest ou elle est de Nantes ? Nantes ! La Petite Nantaise. La Petite Nantaise, c'est... Il est à côté de toi, de Kaolo. Pourtant, Ruby, tu en as parlé à la passe, la Petite Nantaise, rapidement, lors de votre première discussion, et il a dit qu'il ne connaissait pas. Pourtant, il semble... il semble grimacer et... il dit... Ah, on va... Pour l'instant... tu le vois hésiter. Il dit, bah, pour l'instant, on va... Puis, il s'avance d'un coup, avec sa béquille, d'un peu fermement sur le pont. Et il dit... Bon, messieurs et mesdames. Ah, tu es pas la seule femme à bord. On va... Aujourd'hui, cette nuit... On a connu une mauvaise passe. Mais je pense que la chance tourne. Et on va peut-être pas rentrer les mains vides. On va en profiter. On va se retirer une épine du pied. Une grosse épine du pied. Vous l'avez entendu peut-être. Venant du nid de pie. Il y a la Petite Nantaise qui nous colle au train. L'épervier. Et certains d'entre vous, ils savent. Ils savent que cette ordure a tendance à aimer les gens comme nous. Et puis il montre du doigt un peu la grande majorité de l'équipage, mais vous voyez qu'il semble désigner principalement les noirs de l'équipage. Et cette fois, il n'en aura aucun d'entre nous. Il ne finira dans ses cales. Je vous le promets, cette fois, c'est lui qui finira au bout de notre lame. Est-ce que vous êtes avec moi ? Sur cette réponse, sur cette question, vous, que faites-vous ? Concentre-toi. Que faites-vous ? Au moment où il semble haranguer l'équipage. Je demande au capitaine, vous avez un passif avec lui ? Alors que tu poses ta question, les autres, que faites-vous ? Moi, je descends. Tu commences à descendre ? D'accord. Je hausse les épaules et je commence à me préparer au canon. Moi, je fais « Ouais !» Effectivement, la grande majorité font comme Lys, en fait. Ouais ! Il lève la tête. Ruby, reste là-haut. Kaolo, okay. Tu vires de bord.
on va s'occuper de lui. Tu vas me faire. Et que fais-tu d'ailleurs? Il ne répond pas à ta question. Merde. Il est. Tu peux insister. Ah, j'ai obéi. Que... Ouais. T'as 5 plus action plus navigation plus artificiel. Moins 1. Très bien, tu commences. tu commences la manœuvre. Ce n'est pas grave en soi, puisque mais effectivement, tu vous voyez clairement, hein, surtout toi, Ruby, vu où tu es placé, tu vois clairement que en face ils anticipent largement la manœuvre que commence Kaolo. Vous vous approchez quand même puisque les deux navires s'approchent l'un et l'autre, mais le navire de la petite Nantaise semble se mettre en position plutôt avantageuse par rapport à votre anticipation vis-à-vis de votre rencontre. Je crie à Kaolo, putain, tu fais quoi là? Ouvre tes yeux. La passe, il te met la main sur l'épaule et il dit « Allez, reprends-toi !» Et puis il te regarde et il dit « Effectivement, rapidement, il dit « Soal, les gens comme moi, ton ami Lys, l'épervier, il a l'habitude de pas faire de quartier, sauf avec des gens comme nous. Ok, il aime mettre au fer pour nous revendre. » À bon marché. Alors si t'as un peu d'estime pour ton ami, reprends-toi. Et puis il va sur le pont et justement il va te voir Lys. Et bon, tu es beau corps. C'est le moment de te rendre utile. Il va falloir faire ton travail. Pour nous offrir un petit avantage, connaissant l'épervier, sur son pont, ça a dû déjà commencer à supplier un loa pour espérer de l'aide. J'aimerais rééquilibrer nos forces, que on ait chacun les mêmes moyens dans notre poche. Moi aussi, j'aimerais bien, mais sans matériel. Ah, on a ce qu'il faut. Que ça soit grâce au mât pour faire. On a des tambours. Et il appelle trois hommes et. Tu vois trois hommes qui s'avancent et disent ah, Ils vont t'assister, Lys. Je vais pas m'en compte. Je ne vais pas plus que ça te gêner. Je compte sur toi. Trouver ce qu'il nous faut. Et faire en sorte que la chance soit de notre côté, en quelque sorte. Ok. Eh bien, je m'y mets. Tu t'y mets. Que comptes-tu faire? Bah, là, je suis en train de réfléchir. Alors... Oui, je me doute. Je te laisse réfléchir. En proposition, en fait, t'es pas obligé d'appeler locaux. Attention, t'es pas obligé d'invoquer et demander de l'aide à locaux. En fait, t'as un avantage parce que tu es lié à locaux, mais tu peux très bien appeler d'autres lois. En fait, t'as aucune limitation de loi. En fait, t'es pas comme une prêtresse de locaux. Qui un peu à la Donjons et Dragons qui devrait invoquer que locaux. Non, tu peux invoquer appeler n'importe quelle loa. La seule chose, c'est que tu as un net avantage avec certains. Sur la mer, Agwe est forcément utile. Les sorts liés à Agwe peuvent avoir une utilité. Parce que tu pourras essayer d'invoquer la brume, du vent favorable. Tu
peux essayer entre moi et Ogou. Donc là qui va être plus loi liée à la guerre en fait. Ouais, c'est ça que je voyais. Et donc qui peut te donner des avantages vis-à-vis de ça. Après, t'as d'autres lois plus malsains qui peuvent octroyer des certaines choses plutôt intéressantes aussi. Voilà. Dans les grands, là, je t'ai dit les grands classiques. Hein, après, il peut avoir à peu près n'importe lequel peuvent être intéressants. Hein. Tu peux offrir un peu de la chance. La seule chose, c'est que quand t'es en mer, sur les tests, tu as un désavantage automatique en fait. En mer, en fait, pour invoquer un lot. Même à Gouille. Puisque l'eau est un élément qui sépare, qui fait que la magie n'est pas aussi simple en fait. C'est une barrière, l'eau est une barrière pour les pouvoirs magiques. On ne peut pas faire de magie entre d'où tu es ici vers l'Europe. Je te laisse réfléchir. Pendant que vous réfléchissez, toi tu vois Ruby qu'effectivement le navire qui s'approche change de pavillon en vous voyant et hisse un pavillon, non pas noir, mais un pavillon rouge. C'est un pavillon rouge avec dessus une tête de mort et une balance. Ils ont hissé le pavillon rouge. Peut-être que ceux qui sont moins marins ne savent pas ce que c'est, moins pirates à bord des navires, ne savent pas ce que c'est un pavillon rouge, mais à savoir que les pirates n'avaient pas tous des pavillons noirs. Certains avaient le pavillon rouge. Le pavillon rouge, ça signifie pas de quartier. Ah ouais, d'accord. Oui, bah je crie bien ça alors. Très bien. Le navire donc se rapproche, mais vous n'êtes pas encore à portée de canon au bout d'une quinzaine de minutes. Je t'invite à Kaolo à refaire un test, le même test. On va voir si tu te rattrapes un peu. Ok. Test de navigation. Cette fois, je me concentre et je suis prêt à utiliser un point d'héroïsme. VM, action, plus navigation, plus modificateur. Ton modificateur est toujours de moins 1. Vas-y. Alors, ce que tu fais, c'est que tu manœuvres, tu commences à te rapprocher. Je pense que pendant ce temps-là, effectivement, Lys, elle a commencé hein, son rituel, mais tu vois que le rituel est pas tout à fait fini. Vous êtes rapproché. Là, pour te dire, vous êtes à une distance de 7. La canonnade est possible à partir du moment que vous êtes à une distance de 6 ou moins. Sachant que à 6, c'est quand même une très très forte distance. Hein, c'est pour te donner une notion. Là, en fait, on va profiter un peu de cette scène pour bien vous apprendre un peu les aléas des combats en navire. Et donc c'est sur une échelle en fait entre 12 et 0. 0 c'est l'abordage. Et quand on est à la moitié, à 6 de distance, on peut commencer la canonnade. Pour l'incantation d'Eloa et autres, Lys, lui, elle, il va lui falloir une heure. Là, une demi-heure s'est passée. Donc tu peux choisir dans quelle direction tu vas en fait, si tu veux t'éloigner ou te rapprocher, ou tu me dis. Là pour l'instant en fait, avant ta réussite, vous êtes une distance de 8. À savoir, qu'est-ce que tu veux faire? Tu peux choisir te rapprocher d'un, t'éloigner d'un, ou rester identique puisque tu mènes la danse. En fait. Ah bah moi je voudrais que Lys ait fini son truc, donc ah oui, je temporise quoi.
Donc tu restes à 8, tu restes, ouais. Tu restes à 8. Donc pour l'instant, tu fais en sorte que vous restez à bonne distance. Est-ce que Lys s'est décidé? Ouais, je vais tenter d'invoquer... Bah d'abord, il faut que j'invoque Agoué, si j'ai bien compris. Et ensuite, Ogou Ferraille. D'accord. Parce qu'il peut renforcer les armes à bord, visiblement. Oui. Voilà, je vais faire ça, je pense. Parce qu'après, les autres trucs, c'est quand même à des gros niveaux. Oui. Je pense pas que j'ai la capacité de faire des trucs pareils. Alors en fait, de toute façon, à chaque fois que tu vas invoquer, tu remercies Papa Legba. Puis là, vu que tu es en mer, tu invoques Agoué, qui va invoquer Ogou. Qui est après invoqué Ogou. Puisque en fait, c'est lui. En mer, Agoué fait l'intermédiaire. Ouais, c'est ça. Mais en fait, ça, ça va être l'ensemble du rituel qui va faire ça. Et mécaniquement, en fait, ça va te faire un moins 2. Alors, on va faire tout de suite le test de magie. Et puis, on va dire après ce qui se passe. Donc, il y a des rythmes de tambour, quoi. J'ai dû piquer une fiole d'alcool. Et pour au goût, il faut de la poudre et tout ça. De la poudre, tu devrais avoir. De l'alcool, tu devrais avoir, même si on ne t'autorise pas de boire pendant. Vous avez forcément de l'alcool à bord. Du coup, j'aurai un volontaire pour faire le cheval, parce que lui va peut-être pouvoir sur la route. Tu vas peut-être. Toi, tu vas faire peut-être le cheval, ce coup-ci. D'accord. Et. Ça va être toi le cheval, je pense. Ok. Non, tu veux pas être le cheval? Oh, si, complètement, ouais, je complètement. C'est parti. Appel de Loa, voilà, je cherchais. Alors, pas de UFO. T'as pas de UFO, donc t'as un moins un. Tu as un poteau mutant, hein, le mât fait office. Tu as le manger. Je sais pas si on a des drapeaux. Ça, tu as des drapeaux. D'ailleurs, tu vois qu'ils sont équipés en fait. Hein. Tu as les tambours, ils vont te donner deux drapeaux. Un drapeau français et les deux drapeaux, c'est un qui représente l'endroit où tu es. Donc voilà. Mais tu as les deux drapeaux. Tu vas avoir. Du feu et de l'eau. Tu as deux tambours. Demande en accord avec le Loa, ma foi. Je pense donc tu as pas forcément beaucoup de. Alors tu es sur l'eau, donc tu as moins 2. Donc tu te retrouves à moins 3 de malus. Et après en bonus. Donc, c'est pas ton Loa, c'est une. Bonus, j'ai 2, je pense. En point de... Tu as un plus 1. Avec les deux drapeaux, ta demande est en accord avec. Je pense un peu. Avec son Loa, oui. Donc tu as moins 1. Tu vas avoir moins 1 pour faire ton test, c'est tout. Ce qui en mer est pas énorme. C'est... Cœur action. Cœur action, plus pratique vaudou. Plus modificateur, donc moins 1, plus cible. Alors la cible, ça va être artificielle. Ce que tu vas demander, on est bien d'accord, c'est que... Ouais, je suis d'accord. Ouais. Mais donc, du coup, surnaturel, c'est ça va pas avoir lieu surnaturel. Souvent. Mais bon, c'est pas grave. Bah oui et non. En fait, là, ça n'a pas lieu souvent. Ça va avoir lieu dès que tu as office à quelque chose de surnaturel. C'est pas ça va dépendre de tes demandes, en fait. Mais c'est... ce qui est trompeur, c'est que la cible, c'est pas ce que tu utilises, c'est ce qui. Oh ouais, là je suis d'accord avec toi. Hein. Je suis d'accord avec toi, c'est juste que je regrette de pas mettre mes points artificiels, mais c'est pas grave. On s'en fout, de toute façon, il faut bien apprendre de la vie comme ça. Hein, voilà. Et du coup, on n'a pas le droit de mettre de puissance et de rapidité dans ça. Si, tu peux rajouter. Ah ouais Si, tout à fait.
Tu peux rajouter de la puissance. Tu peux utiliser la rapidité pour... ça pourrait permettre, en cas de bonne réussite, que ça prenne moins d'une heure. Écoute, je vais utiliser un point de... C'est ça, c'est à ça que je pensais. Donc je vais utiliser un point de rapidité, j'essaye de chanter vite, et je hurle comme une démente, et je dis au tambour de taper comme des fous pour mettre un point de puissance. C'est tout, sinon je tombe dans les pommes. Ce qui va peut-être arriver quand même, mais bon... On verra bien. Ouf. Eh bien, c'était pas de trop. C'est alors, une réussite. Coup... Et une réussite, c'est une réussite. Au goût. Donc, tu appelles au goût ferraille. Et du coup, faut que je dépense un pour le vaudou aussi. Alors, tu vas dépenser un... Bah, donc, je vais dépenser un point de vie, pas le choix. Je vais encore m'entailler comme une folle. Je suis vraiment taré, quoi. T'aurais pu te faire tes premiers soins sur toi, d'ailleurs. J'ai même pas pensé, mais t'as même pas essayé. Ah, c'est normal, j'étais trop inquiet pour les deux, là. Bah, donc, je pars en transe, quoi, petit à petit. Qu'est-ce qui se passe ? C'est ça. Donc, tu pars complètement en transe. Vous voyez Alice complètement partir, complètement en transe et saisir un sabre qui est de l'un des autres marins et le planter devant. Devant le poteau mitant, c'est-à-dire devant le mât, et tu commences à tourner autour en marchant d'un pas saccadé, presque militaire, avec en lançant des regards secs et froids, plutôt menaçants à tous les gens qui sont autour de toi. Et d'un coup sec, la fiole de rhum, quitte à rendre jaloux quand bonbonne sur ce moment-là, tu le prends et tu le bois presque cul sec, t'en renverses plein tes mains. Et d'un coup, tu enflammes tes mains. Et d'une voix autoritaire... Et grave, masculine, vous entendez, et de ses mains enflammées, tu passes et tu touches, tu indiques plutôt du doigt plusieurs personnes. Tu indiques entre autres, tu indiques la teigne, tu indiques apparemment principalement les entre guillemets officiers de bord, puisque tu indiques la teigne. Tu indiques Bonbonne, tu indiques Kaolo, tu indiques aussi Ruby et deux autres marins. Et tu dis, et tes mots sont, vous ferez couler le sang de vos ennemis grâce à mon aide. Souvenez-vous-en. Quand la victoire sera à votre portée, deux canons vous offrirez à Agoui. Sur ces mots, d'un coup, tu reprends conscience, ma chère Lys, mais t'as les mains en feu. Ah, mais quelle était cette voix qui ne t'appartenait pas ? Oui, on se pose la même question en ce moment même. Quelle est cette voix ? vu que c'est une réussite, t'as raccourci un peu le temps. Kaolo, je vais te demander un autre test. Celui-là, c'est le test pour t'approcher. Là, au lieu de faire deux tests avant d'arriver à 6, on va dire, celui-là, t'as encore un test pour rester à distance. Et après, tu devrais pouvoir... t'approcher sans problème.
Non, en fait, c'est même le test pour t'approcher à distance, si tu veux. Celui-là, qui glisse, dite la rapidité. Donc, t'en as déjà fait deux. Le troisième, là, si tu veux être à portée de canon, tu peux le faire maintenant. Juste au moment où elle éteint, c'est fou. Faut-il bien réussir ton test, hein. Vous êtes à 8. Et j'y mets à... Je navigue avec précision juste là où je veux aller. Ça c'est plutôt beau. Tu as navigation, mon cher. Ouais. Donc tu viens de me grâce à ton point de précision, tu viens de faire un critique. Donc je t'explique, t'es à 8, t'as un excellent de réussite, une réussite critique. Tu peux t'approcher pour être à 4 de lui. Donc c'est un net avantage d'être à 4 de lui. Ça signifie que vous pouvez tirer avec un moins 2. Et surtout, vu que tu as fait une réussite critique, tu le prends au dépourvu en fait. Tu fais une magnifique manœuvre, tu es largement en avantage. Ce qui fait qu'en fait, lui ne pourra pas faire feu. Tu vois la magnifique manœuvre de Kaolo qui fait que le navire vous arrivez à manœuvrer, à prendre le vent comme il faut et à arriver plus ou moins finalement de travers à l'avant du bateau, prenant à l'avant de la petite Nantes, le prenant dépourvu, tu as les canons prêts à tirer, mon cher Bonbonne. Avec quoi tu as chargé t'as demandé de charger tes canons et fais-tu feu. Avec quoi j'ai chargé mes canons et avec quoi je fais feu, c'est ça la question. Bon. Et fais-tu feu. Ah bah bien, je profitais de la fenêtre de tir, oui, bien sûr. Tu as le... Vous avez hein, le... Ouais, tu as des boulets creux, des boulets mitraille ou des boulets ramés, en fait. Donc tu as le choix de avec quoi tu fais feu. C'est où tout ça? Est-ce que c'est marqué tout ça? Dans le navire. Le valet d'ébène. Ah bah pourquoi j'ai pas accès? Tu me dis des bêtises. Moi j'ai rien. On a que bio et info nous. Ouais nous on a rien. Fallait me le dire. Vous êtes tatillon. Moi je m'inquiète pas, je vois une jolie photo avec un beau bateau. Voilà, là tu as ce qu'il faut. Ah bah voilà, on a plus d'infos là aussi. Voilà. Vous savez combien vous êtes. Soyez vous voyez. Équipage 20, parfait. Ouais, vous étiez 24 au début. Oh là là, mais c'est quoi, on a plein de munitions et tout en plus. Oui. Qu'est-ce qu'on est riche. 20 boulets. Wow. 20 boulets. Mitraille, rame. Le creux, c'est le classique en fait. Oui, ça je sais, c'est le rame que je vois parce que c'est. Ramé, c'est des boulets avec une barre en milieu. C'est boulets à chaîne en fait. Ah oui, ok, d'accord. Donc, à l'époque où vous naviguez, le boulet chaîné, ça n'existe pas. Et donc, pas encore. Donc, c'est des boulets pour casser les mâts, les cordages, les voiles. Non, moi, là, c'était à 12 pour combien de canons je sais plus, 2, 3, 4, je sais plus. Vous avez 4 canons. Vous avez 8 canons 4. En fait. Ouais, oui, il y a 4 à bâbord. 4 à bâbord. Ok. Est-ce que tu veux le ralentir ou est-ce que tu... D'ailleurs, je profite maintenant que vous êtes plus près, alors qu'il réfléchit à quoi vous voulez tirer, ça va peut-être l'aider, puisque je vais demander un test aussi à ma chère Ruby là-haut. Elle va me faire un corps plus perception, plus humain. Non, plus. Ouais. Et à quelle distance ? Plus artificiel. Il est à quelle distance là ? Il est à une distance de 4. Donc, ce qui fait que si tu tires, tu as un moins 2. C'est plutôt honnête hein, pour tirer. Ça va. Donc, tu as réussi. Les infos que tu peux donner déjà. Qu'est-ce que tu regardes quand tu es là-haut? Qu'est-ce qui t'intéresse déjà? En fait, ça dépend de ça. Sur quoi tu portes ton attention sur le navire en soi? Ben,
Je surveille en fait. Je regarde s'il n'y a pas d'autres navires autour. En fait, je fais un tour d'horizon pour voir ce qu'il y a autour, s'il y a une île, pas loin, enfin, si on approche de la terre. Bah, tu portes pas ton attention sur le navire, tu portes ton attention sur les alentours. Voilà, parce que le navire, on sait où il est. On sait qu'il s'approche, on va regarder s'il n'y en a pas un autre et s'il n'y a pas autre chose qui s'approche. Ah non, il n'y a aucun autre navire à... de vue, apparemment, qui s'approche. Aucun autre. La seule chose que tu vois, c'est Arrigor qui pourrait être d'intérêt. Si tu remarques qu'il y a un. Peut-être 1000 ou 2000, t'aperçois des vagues, des fers, et. En fait, t'aperçois un haut fond. Il y a un haut fond. Non loin. Ça peut nous servir à quoi, les hauts fonds? Ah, ça peut te servir. Toi, t'es pas très marin, mais toi, tu remarques qu'il y a un haut fond. D'accord. C'est des cailloux, des hauts fonds. Un haut fond, c'est le fond qui est haut. C'est-à-dire que c'est des rochers. D'accord. Tu peux t'échouer, tu peux faire échouer quelqu'un, tu peux... Il serait tellement dommage qu'il ait du mal à manœuvrer à ce moment-là. Voilà, tu peux faire plein... Enfin, du moins, c'est une information qui pourrait sans doute intéresser Kao. Ouais. Bah, je lui crie, je fais « Kaolo, là-bas, il y a des hauts fonds, va pas là-bas » Là-bas étant toujours une direction très précise. Au bout de mon doigt. Bah, je montre, c'est quoi, c'est tribord, bâbord... Oui, oui, je rigole, hein, je considère que tu lui indiques. Disons que c'est au sud-sud-ouest. Sud-sud-ouest. De ton côté, tu charges avec quoi alors, Stéphane? Un ramé. Poulet ramé. Ben, je t'invite à faire feu. Donc, pour faire feu, test de canonnade, c'est bordé. Donc toi, tu as une bordée de 4. Ouais. C'est pas le nombre de canons. Hein. La bordée, c'est ce qu'il y a en dessous, le nombre de canons. Donc si tu perds des canons, tu perds en bordée. Tu as une bordée de 4. Donc tu vas faire 4 plus ta perception, plus artillerie, plus ta cible. Ta cible, c'est artificielle. Plus ta difficulté qui va être de moins 2. Artillerie, tu touches MR. De deux. Ok. Tu vas me lancer 2d6 pour localiser où tu touches. Ah, il y a une localisation aussi, c'est indiqué là sur la feuille. Vas-y. Tu lances 2d6. C'est fait, c'est je vais 8. Alors là, tu vas toucher la coque et l'équipage. En principal. Principal, la coque. Mais tu as utilisé une précision de 1. C'est-à-dire que tu pourrais modifier de plus ou moins 1 ton lancer de dés. Faire 7, ça t'intéresserait pas, mais faire 9, ça pourrait te faire que tu touches principalement l'équipage et en jumelage la voile. Parfait. Avec les ramés, c'est bien ça. Ça me plaît beaucoup. Voilà. Donc, très bien. Donc, tu fais 2 points de dégâts à la voile et aux hommes. Kaolo, que fais-tu? Est-ce que tu continues de te rapprocher ou que désires-tu faire? Bien sûr. Je me rapproche. Je t'invitais à me refaire le test. Tu peux modifier la feuille là pour les boulets. Ah, parfait. Il faut recharger, mon cher. Vous êtes assez nombreux pour. Vu que vous êtes 12, vous êtes assez nombreux, je pense, pour que tout le monde soit à la manœuvre. Lys, je pense que même il faudrait que tu sois à la manœuvre pour aider Bonbonne à charger au canon. Ouais, ouais, bah oui, bien sûr. Hein. Et donc, je vous invite.
je vais inviter Lys à faire juste un petit test de corps plus action, plus artificiel. Et un échec sera pas dramatique, sauf un échec critique. Tu te lâcheras un boulet de canon sur le pied. Vous êtes très doué. Mais autrement, tes réussites peuvent octroyer un bonus en vitesse de rechargement. À savoir que, en fait. Éventuellement, je pourrais avoir artillerie, mais je l'ai pas. Hein. C'est ça. Ce serait que ça qui pourrait m'aider. Ouais. Si tu as artillerie, ouais. Non, je l'ai pas. Mais là, ça sert même pas trop à tirer. Hein. C'est pour aider. Hein. C'est juste. Et bonbonne. Oh, bah c'est pas si mal, hein, franchement. Il se recharge les canons tout seul. Même pas besoin d'intervenir. Ah, ce qui fait que vous, grâce à l'aide de Lys et à d'autres, j'ai pas encore de haut goût en moi, tu vois, donc voilà, ça m'aide. Voilà, en fait, Kaolo, toi tu te rapproches du navire, toujours, mais le navire fait pareil. Et au moment où. Cette fois, tu n'arrives pas à tirer plus que ça avantage de, la position par rapport à lui. Bien que tu restes toujours à peu près maître de ta manœuvre, mais là, cette fois il pourra tirer. Par contre, il tirera après vous. Tu vous recharger de quoi en quoi, mon cher. À quelle distance bon, il est toujours. On a toujours un malus. On a toujours un malus. Là, tu auras toujours un malus, mais bien moins. Et là, tu vas avoir un malus de moins 1. Toujours avec des ramés. Bah vas-y. Je suis en train de. Sachant que là, ça semble évident que, en tout cas, Kaolo il se rapproche et l'autre se rapproche, c'est que vous allez vers l'abordage. Hein. Parce que les ramés abîment, je rappelle, principalement, un bonus sur la voile. Mmh. Hop, et du coup, je lance 2d6, c'est ça? C'est ça. Qu'est-ce que c'est tout, mon ami? Avec 10 pour un MR de 2. De ton côté, Lys, tu vois que ça touche. Il y a deux hommes qui se retrouvent, alors qu'ils montaient sans doute dans les gréments à la manœuvre, sur l'eau de navire qui tombe, qui se retrouve. Qui tombe à l'eau. Et alors que les voiles sont de nouveau bien touchées cette fois, puisqu'ils étaient déjà bien touchés, puisqu'ils avaient touché. Et cette fois, tu vois carrément un morceau de mât s'écrouler et qui va compliquer largement sa manœuvre. D'ailleurs, Lys, que fais-tu? Que observes-tu maintenant? Ruby, tu veux dire, non? Ruby, ouais. Du coup, j'ai vu un peu ce qu'il y a aux alentours. Ouais. Je demande au capitaine si je dois descendre. Oh bah là, dans la canonnade, tu penses qu'il t'entend même pas crier de là-haut. De toute façon, ça sert à rien que je descende. Ça dépend, qu'est-ce que tu observes ou pas. Est-ce qu'il y a des nuages menaçants, genre est-ce qu'il y a une tempête qui se prépare encore? Non, il y a un navire de plus en plus près. J'avais pas vu. Il y en a un autre ou pas du coup? Toujours pas. Ah, tu regardes donc au loin? Ouais. Non, il n'y a rien. Il n'y a rien d'autre. Tu ne vois rien de particulier, il n'y a aucun autre navire à part le au fond, mais d'après la manœuvre à l'heure actuelle, la personne à la manœuvre n'a pas l'air non d'en avoir usage dans l'immédiat. Et par contre, ils font feu. C'est une réussite de leur côté aussi. Et on va voir où ils touchent. Dans le... coque et équipage. 7 coque et équipage, effectivement. Ils ont une MR minable. C'est de la chance. Votre bateau... Alors, attends. Il tire à...
Alors, vous avez de la chance et pas de chance. Ça, en fait, eux, ils tirent... Ils y vont pas d'eau de la cuillère. Ils tirent à la mitraille. Ils... Ça fait moins deux de dégâts à la coque. C'est-à-dire que... Coque et équipage, la coque subit pratiquement rien aux dégâts. Puisqu'elle a quelques petits éclats... et des petits trous qui se forment, mais rien d'important. Par contre, vous avez trois hommes sur votre pont qui se font faucher. Des hommes qui étaient à la pièce au canon, entre autres. Donc vous avez des hommes en moins au canon. Et moins vous êtes nombreux au canon, plus c'est long à recharger. C'est-à-dire moins d'utiliser de la rapidité. Là, il vous faudra deux tours pour recharger, en fait. À moins que vous arriviez à l'abordage. Ce qui peut être possible selon votre efficacité de votre pilote. Est-ce que à ce moment-là, vu que je vois que ça a touché en bas, je peux descendre pour aider au canon? Moi, tu peux descendre hein, si tu veux. Ok, ben je descends aider. C'est qui, c'est Bonbonne qui est au canon? Oui. Lys aussi. Et Lys. On est tous là, on est chaud. Kaolo, Imada. Allez. Les gars, j'ai aidé. Donc, ça peut vous permettre de tirer avec la moitié des canons au tour suivant. Avec deux canons, ou alors recharger les quatre en ajoutant de la rapidité. Que fais-tu, Bonbonne? Et Kaolo, que fais-tu? Ah, moi là, clairement, je veux me rapprocher. Il y a moyen de se rapprocher, ouais, à l'abordage. Ça a trop duré, quoi. Il faut être à une distance de 0 pour être à l'abordage. Donc, oui, c'est tout à fait faisable. Surtout que lui, il semble s'approcher de toi également. Que fais-tu? Ah, je me rapproche pareil. Vas-y. Et voilà. Un échec contre une réussite critique, je pense que ça va bien se passer pour nous. Au moins je suis descendu, ça me va. De nouveau, la mitraille... mitraille de leur canon fait feu. Trois hommes tombent au sol, à côté de vous. Et là, ce qui change, effectivement... Là, les deux bateaux se frottent l'un contre l'autre et sont de plus en plus proches. Vous voyez des grappins qui tombent sur le pont. Vous n'avez pas eu le temps de finir de recharger, en fait. Ils sont arrivés bien trop vite sur vous, bien plus vite que vous pensiez. Et surtout, à côté de vous, alors que vous êtes en train de recharger, ce que vous apercevez, c'est que il y a deux de vos anciens camarades marins qui vous accompagnaient sont en train de se relever. Sauf qu'ils étaient morts il y a encore quelques minutes. Bonbonne, Ruby et Lys, à ce moment précis, quand vous l'ayez se relever, que faites-vous? Ben, est-ce que j'ai eu le temps de descendre jusqu'au canon? Oui, oui, t'es descendu, tu viens juste d'arriver, tu te préparais à aider à recharger, quand finalement tu te rends compte qu'il est trop tard, et tu vois ce que Charlie. Ben, je cours sur le pont pour couper les cordes des grappins. Si tu veux. Après, il semble que vous-même vous avez manœuvré pour aller à l'abordage. Bon bah je vais juste sur le pont et je les attends en mode... Donc, si tu veux éviter l'abordage alors que vous-même vous avez manœuvré pour être à l'abordage à un moment... qui va pas être très clair. Je me mets sur le pont et je les attends de pied ferme. Eh bien, justement, tu vois deux de tes compagnons qui sont en train de se lever devant moi, toi. Moi, je tente d'en balancer un par-dessus bord. Très bien. Eh bien, tu vas me faire un corps plus action.
Parce que, enfin, dans ma tête, c'est le mec d'en face qui a fait ça. Le Bocorn en face. Ah, pour toi, c'est une évidence. Là, tu les vois se relever. Ça. Là, t'es face à deux zombies. Hein. Yes. T'as deux zombies et tu te dis que en face, le Bocorn a sans doute lui fait appel à Maman Brigitte pour ce genre de choses. Encore elle, et ouais, elle arrête pas. Mais c'était dans une autre vie, ça, mon cher. Pardon, excusez-moi, je digresse. C'est des choses qui ne sont pas arrivées à Bonbonne. C'est des choses qui sont arrivées à d'autres personnes, à d'autres endroits, à d'autres époques. Et tu vas me faire un corps plus action. Plus, oui, donc le mec, il est plus fort que moi en face. Hein. Moi, je regarde, pardon, je ne sais pas ça. Je digresse. Bah, c'est un zombie, quoi. Je sais pas si c'est vraiment plus fort que toi. Tu vas me faire un corps plus action alors qu'il est en train de se revers, hein, c'est peut-être ta chance. Plus surnaturel, moins bagarre, deux, peut-être quand même. Non. Bagarre, si tu l'as, ouais, tu peux rajouter de la bagarre, mais t'as un moins deux quand même parce que c'est pas simple. Bon, je le mets aux énergies le moins deux, hein, mais bon, il... Mais après, hein, autrement, si tu te lances. C'est une réussite. Alors que les deux bateaux sont en train de se rapprocher, tu arrives à prendre par la taille l'un des zombies et l'envoyer contre la rambarde et il bascule pile entre les deux bateaux et finit dans l'eau alors que les deux bateaux sont en train de se serrer petit à petit. Intérieurement, tu te dis que tu viens de balancer quelqu'un de mort-vivant dans l'eau. Il va pas mourir pour autant, mais au moins, il coule. et ne va plus être un problème dans l'immédiat. Bonbonne, qui fais-tu ça? Pardon? Pourquoi t'as tué un des nôtres? Ils étaient morts, regarde leur tête! Alors que tu dis ça, tu vois un qui s'avance vers toi, Bonbonne, la mâchoire complètement ouverte, le regard hagard. Tu dis qu'il y a un truc pas normal, hein. C'est peut-être le fait que la moitié du haut de son crâne est déjà ouvert par la mitraille. Bonbonne, c'est le Bocorn en face qui te fait dire qu'il y a quand même un... Qu'il y a un truc pas normal. Il y a un problème. Hein. Il y a une sale gueule d'habitude, mais là, c'est pas normal. Ah, je vais dégainer mon pistolet, je vais lui en foutre une. Vas-y. C'est un corps plus perception, plus. Ah oui, alors attends, par contre, il faut que je remette corps mon perception bonus, surnaturel. Kaolo, alors que fais-tu? Ah bah moi, dès que les navires sont sécurisés, je saute sur l'autre. Toi, tu passes à l'abordage de l'autre. Eh oui. Très bien. Parti dans la mêlée, il faut un peu de l'action. J'ai fait un MR de 3 pour une réussite contre le zombie avec mon pistolet. Alors c'est le pistolet, hein, c'est bien, hein, c'est un pistolet, c'est pas le mousquet. Le zombie prend une balle alors qu'il se précipite dans ta direction, les bras tendus, la bouche ouverte et les dents claquant d'une manière un peu abominable. De ton côté, Lys, tu viens de faire passer par-dessus bord l'un des zombies en criant à Bonbonne de prendre garde sur non loin de là. L'arme à la main, Ruby est prête à attendre les membres de l'équipage de la petite Nantes qui eux-mêmes passent à l'abordage alors que nombreux de vos hommes, dont Kaolo, passent également de l'autre côté de Pastagage pour aller vers le pont de la petite Nantes et d'en découdre. Les deux équipages ont les armes tirées. Il s'avère que à bord de votre navire, à l'heure actuelle, il y a en tout 14 membres d'équipage prêts à en découdre.
Et en face, il semble pratiquement être autant. Peut-être un tout petit peu plus, mais guère plus. Ah, et finalement, la bataille risque d'être serrée. Et nous ferons la suite dans 2 semaines.